fait mal. Eh bien voilà, on est à 2 mois de la fin de la levée de fonds sur Tousco Prod pour le film La Dernière Chanson. Mais je reviens à vous pour un petit peu vous expliquer le film, pour vous donner vraiment mon sentiment, vous donner mes tripes, vous donner tout ce que j'ai envie de mettre dans le film. Alors premièrement, La Dernière Chanson, c'est bien sûr une écriture. Ma sœur, Chantal Lamran, qui a écrit un scénario. C'est une envie de travailler avec l'univers de Pierre Rapsat. Ce n'est pas un film sur Pierre Rapsat, sur sa vie, mais sur son univers artistique en premier, mais aussi l'univers là où il a habité, sa région, les gens qu'il a côtoyés, bien sûr. Et on ne voulait pas faire un film où on parle de sa vie parce que c'était l'impression qu'on avait, c'était de le faire mourir 2 fois. Donc dès le départ, on s'est dit non, c'est autre chose qu'il faut faire. On a écrit plusieurs versions et puis à un moment donné, les versions sur versions, on les déchire, on les enlève. Et on a remarqué que c'était surtout les rencontres qui faisaient qu'on recommençait à écrire. Et plus on entrait dans l'univers de Pierre Rapsat, plus les rencontres se faisaient, et surtout avec beaucoup de hasard. Ce qui nous pousse chaque fois qu'il y a des hasards, on se dit mais non, c'est pas possible qu'une rencontre avec un tel hasard ne nous amène pas quelque part. Donc on a écrit le scénario en fonction de ça, en fonction des rencontres. Et là maintenant, la levée de fonds, c'est une rencontre avec vous, avec plus large, plus grande, un cercle plus grand de rencontres, bien sûr en dehors du fait d'avoir de l'argent qui va nous permettre de convaincre les producteurs, de convaincre les télévisions, de montrer qu'il y a des spectateurs qui sont là pour Pierre Rapsat, qui a un cinéma à faire autour de l'univers de Pierre Rapsat. Voilà, donc je viens avec vous avec ça, avec cette envie-là que vous soyez coproducteur de ce rêve, de cette envie de partager le bonheur de travailler avec toute cette matière-là, toute cette matière qu'il a fait en musique, qu'il a fait en chanson, en paroles, et de le traduire maintenant de manière cinématographique. Chanson.